Bonjour, le temps avance. Nous voici au 26e dimanche du temps ordinaire. Nous allons entendre la suite du passage d'évangile de dimanche dernier. Si tu te rappelles, dans ce passage, Jésus annonçait sa mort et sa résurrection, et les disciples discutaient pour savoir qui était le plus grand. Jésus leur disait, nous disait, que le plus grand, c'est celui qui se met au service des autres. Celui qui accueille le plus faible, comme par exemple un enfant. Est-ce que les disciples ont compris la leçon? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Écoute. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. » Eh bien, tu vois, voilà une nouvelle question qui surgit. C'est l'appartenance au groupe, l'appartenance à la communauté. Un disciple, et pas n'importe lequel, Jean, quand même des plus importants, s'interroge. Il a vu quelqu'un faire quelque chose de bien, et pourtant, ce n'est pas un disciple de Jésus. La réponse de Jésus est sans ambiguïté. On ne peut pas faire le bien et être contre Jésus. Forcément, celui qui a le souci de l'autre, du plus faible, du malade, il est forcément sur le chemin avec Jésus, même s'il ne le sait pas encore. Et ça, eh bien, c'est une question très importante pour nous aussi aujourd'hui, car elle touche à la définition que nous avons de la communauté, de ce que l'on appelle l'Église, avec un grand E. Qui fait Église? Seulement ceux qui vont régulièrement à la messe? Seulement ceux qui prient tous les jours? Ou ceux qui ont entendu dans leur cœur ce que Jésus disait la semaine dernière? Être son disciple, c'est se mettre au service de ceux qui en ont besoin. Continuons. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Eh ben dis donc, quel discours! C'est quand même hard, ces paroles de Jésus, non? Alors déjà, un petit commentaire sur le mot de Géhenne. Dans l'Ancien Testament, c'était le nom d'une vallée proche de Jérusalem. À une époque très très ancienne, où il y avait des gens qui priaient des dieux, cette vallée, c'était le lieu où on sacrifiait des enfants aux dieux. Le feu dont il est question, c'est en fait le feu sur lequel les corps des enfants étaient brûlés. Berk, quelle horreur! À l'époque de Jésus, la géhenne était devenue le symbole de ce qui était censé arriver à ceux qui avaient une mauvaise vie, ceux qui vivaient loin de Dieu. Un feu éternel. En quelque sorte, bien ça correspond à ce que nous avons l'habitude d'appeler l'enfer. Alors le discours de Jésus semble très extrémiste, mais il traduit en fait sa volonté sans réserve de nous sauver du mal. Jésus sait qu'il y a à la fois du bien et du mal en chacun de nous. Et pour le suivre, sur son chemin, il faut se débarrasser du mal, quoi qu'il en coûte. D'où ces images de préférer s'arracher une partie du corps malade du mal. Parce que quand le corps est touché par le mal touche en fait toute la personne. Je vais prendre une image pour mieux comprendre. Si tu as mal à une dent,
parce qu'il y a une carie, par exemple. Eh bien, le mal de dents est tel que finalement, tu ne penses plus qu'à ça. Plus rien d'autre n'a d'importance. Pour guérir, tu fais quoi? Eh bien, tu vas chez le dentiste qui soigne ta dent. Eh bien, Jésus est en train de nous dire que c'est de même pour tout ce qui est mal en nous. Il faut se soigner. Il faut arracher tout ce qui est mal. Simple? Ben non. Mais heureusement, Jésus est là. Jésus s'occupe de nous. Jésus nous aide à cette tâche qui est une tâche de tous les jours, qui est une tâche pour toute notre vie. Jésus, tant de choses qui me détournent de toi, tant de tentations par les réseaux sociaux, par certaines personnes que je rencontre, aide-moi à discerner le faux du vrai, le bien du mal. Jésus, donne-moi de savoir te faire confiance et de savoir donner ma vie pour les autres, simplement, mais surtout en ton nom. Jésus, donne-moi de garder ta parole. Aide-moi à me détourner de tout ce qui m'éloigne de toi, de ta paix, de ton amour. Amen.